Peuple de Dieu, shalom, bonjour. Moi, c'est le bishop Jephté Augustin Malango. Pour d'autres, c'est la première fois de me voir. Mais pour les habitués de YouTube, ce n'est pas la première fois. Je suis un serviteur des dieux. Je travaille dans le champ des dieux depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai voulu me faire connaître encore davantage pour que ceux qui ne nous connaissaient pas puissent nous connaître dans la dimension des serviteurs des dieux aussi et ce que nous sommes d'une façon générale. Qui suis-je en réalité? Je suis père de famille, marié à Mamie Sanga, père de 4 enfants, tous des garçons, maintenant basé en Afrique du Sud pour l'implantation de l'œuvre de Dieu ou de notre Église. Je suis représentant légal de la communauté pentecôtiste missionnaire Sion. Je suis né au Congo, DRC, d'autres appellent Congo-Kinshasa. J'ai 55 ans d'âge aujourd'hui. Je suis né à Likasi, où je crus au Seigneur et j'ai commencé son œuvre, où je me suis marié. Aujourd'hui, en déplacement. J'ai fait des études normalement, comme toute personne. D'abord, je suis né dans une famille de 10 personnes, dont 5 garçons et 5 filles, et je suis le 5e. J'ai fait des études primaires à Likasi, secondaires à Likasi, et j'ai fait l'université à Lubumbashi. Je suis gradué en sociologie et anthropologie à l'université de Lubumbashi. Voilà un peu pour une brève présentation de ce que nous sommes en tant que personne. Comment nous sommes venus au Seigneur? Trop jeune, étant aux humanités, le Seigneur m'a appelé, je n'avais que 17 ans, pour que je puisse le connaître d'abord. J'ai rencontré le Seigneur Jésus à 17 ans, c'était à la Ligue pour la lecture de la Bible. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ce grand mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible qui est comme un paquebot en train d'aider les églises. Mon grand frère s'était converti et était membre de la Ligue. Il m'a invité dans une rencontre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Là, il y avait le feu Babaka, qui était directeur de Sangomalam, qui était juge en ces temps-là à Likasi. C'est lui qui avait amené le mouvement de la Ligue à Likasi. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis lors, je suis avec le Seigneur juste maintenant. C'est vers les années 1980 que nous sommes venus au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous marchons et cheminons toujours avec le Seigneur par sa grâce. Il nous tient la main et nous évoluons avec lui. Je me suis converti, j'étais jeune, trop jeune, j'ai dit 17 ans, donc je n'avais pas la majorité. Et petit à petit, en marchant avec le Seigneur, c'est là que j'ai reçu l'appel en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, il y a l'appel à la conversion, il y a l'appel au ministère ou au service de l'œuvre de Dieu. Cet appel, je l'ai reçu
c'était dans une vision. Une nuit, je dormais, non pas chez nous, mais chez un ami et frère avec qui on priait à la lecture de la Bible, sur la même avenue, notre avenue, deux ou trois maisons avant d'arriver chez nous. On organisait dans le cadre de la Ligue une croisade. Et la nuit, le Seigneur est venu me parler. Il m'a montré que j'étais vraiment appelé à faire ce genre de travail et qu'il m'appelait au ministère. À l'occasion de l'organisation de cette grande croisade de l'Évangile, c'était en 1984, 3 ans pratiquement après ma conversion. C'est notre groupe de la Ligue qui organisait cette évangélisation, cette croisade. Et j'ai vu en songe que je rentrais chez nous, mais sous l'avenue, il y avait un vide, il n'y avait personne d'autre que moi. Plus j'avançais, plus j'avais peur, parce que j'étais seul. J'allais chez nous, mais je suis arrivé au niveau de la maison où je dormais. Comme je l'ai dit, c'était la maison des parents de mon ami et frère, où on avait passé une nuit là. Je me suis dit, j'entre là-bas parce que je ne pouvais pas atteindre notre maison. Et j'ai vu sur l'avenue qu'il y avait beaucoup de militaires qui me cherchaient. Alors j'ai eu peur, je suis entré dans la parcelle de mon ami, et je suis allé derrière, dans l'autre parcelle. J'ai vu une dame qui sortait des toilettes, qui a poussé un cri sorcellerique là, et qui a fait des signes comme pour me maudire. Je suis passé, j'arrive dans l'avenue derrière, après la nôtre, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de militaires du gouvernement de charge. Je suis revenu, et là, je ne pouvais pas atteindre notre maison, je volais, comme un esprit en l'air. On m'a pris, on m'a montré chez nous, à la maison. Il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient encadré notre maison, et des militaires qui étaient là, qui ont saisi une personne à ma place et qui l'ont tabassé à mort, parce que c'est moi qu'on cherchait. Et tout à coup, j'ai sursauté. J'ai compris que l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé était pleine d'embûches. Mais l'appel était là. De gagner les âmes à Christ. De prêcher publiquement Christ, parce que c'était ça la croisade. Et au jour de la croisade, un phénomène s'est passé. Je l'ai raconté dans mon livre Le combat contre les bêtes, que j'ai écrit il y a à peu près 10 ans. Le jour de la croisade, j'étais le modérateur. J'ai vu un tourbillon venir qui passait sur la route, qui est arrivé à l'endroit où on avait organisé la croisade. C'est tout bien, venait en face. Moi, j'étais debout, modérateur. Devant moi, il y avait une table soulevée par la force du tourbillon. On m'a frappé la table en question. Et le tourbillon m'a encerclé. J'étais en plein milieu du tourbillon qui a tenté de me soulever. Le tourbillon n'a pas pu. Il est passé derrière. Il y avait des choristes derrière moi. C'est ma désolation et trouble. Je n'ai pas les instruments par terre. Le tourbillon est descendu parce que nous étions à l'esplanade. Et le tourbillon est parti. C'était le grand signe qui confirmait l'appel et l'attaque du diable, les difficultés, les embûches dans le cadre de cet appel. Je suis quelqu'un qui est appelé à annoncer publiquement l'évangile pour gagner les âmes à Christ. Dans différents milieux. Un autre songe qui a confirmé, qui est venu juste après celui-là, c'est que quand je suis arrivé devant la parcelle de mon ami où j'avais passé nuit, j'ai vu une troupe de gens venir. Il y avait beaucoup plus de femmes qui criaient, comme tout le temps de la Bible, « Grand Eladia, Grand Eladia, Grand Eladia !» qui vénérait Diane. Dans la Bible, c'est une déesse d'Éphèse.
crois que vous vous souvenez de l'histoire de Démétrius qui avait soulevé toute la ville d'Éphèse pour dire que Paul est en train de prêcher un autre Dieu, disant aux gens que Diane n'était pas Dieu parce que fait des mains d'homme. Il y avait un soulèvement intérieur. Et j'ai confessé dans mon Dieu, j'ai dit, oh, en voyant ces choses au songe, que Paul a beaucoup souffert. Paul a beaucoup souffert. Et c'est sûr que c'était au songe. Donc je me suis dit, j'ai un ministère pareil à celui de Paul, qui n'est pas de rester localement quelque part basé, mais d'aller ça et là, annonçant Christ, prêchant l'évangile, pour que les gens puissent connaître Christ et se convertir, donner leur cœur et leur vie à Jésus, guérissant les malades et proclamant l'évangile. C'est là que j'ai compris que j'ai reçu de la part du Seigneur un tel ministère. Qu'est-ce que je fais actuellement d'abord? Comme je l'ai annoncé, je suis représentant légal et visionnaire de la communauté pentecôtiste missionnaire Sion qui a son siège au Congo, précisément à Likasi. Je priais dans une autre église. Et là, Dieu me parle souvent de conduire les gens, d'être comme leader des gens. C'est depuis 1996 ou 96 pour les Français, 96 pour les Belges, que nous avions commencé l'église Sion, dans des conditions très humbles et très difficiles, dans un terrain très compliqué, que nous avions commencé ce travail. Je n'avais que une trentaine d'années, 32 ans. Je me suis marié à 30 ans, et à 32 ans, nous avions commencé l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. C'est là que nous travaillons. Je suis en train de conduire cette église depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, en 2020. Nous sommes toujours dans cette œuvre. Mais une parenthèse, en dehors de cela, nous sommes en train de faire un autre ministère d'évangélisation et libération des territoires que nous avons dénommé JET. JET qui veut dire Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Là, nous organisons des rencontres publiques ayant pour objectif premièrement de prêcher l'évangile et de gagner les âmes à Christ. Et deuxièmement, de libérer les territoires sur lesquels nous faisons ce travail. Quelle est la vision de la communauté? Je crois que je peux lire un texte dans les Écritures, dans 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 6e. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don des dieux que tu as reçu par l'imposition des mains. Je répète, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don des dieux que tu as reçu par l'imposition de ma main. Donc en une seule phrase, la vision de notre communauté, c'est de ranimer les acquis de la Pentecôte. Vous êtes sans ignorer que l'Église elle-même est née à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu,
le Saint-Esprit qui est un grand acquis de la Pentecôte. Il a communiqué des dons aux gens et l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Alors Paul dit à Timothée de ranimer le don des dieux qui était en lui, qu'il avait reçu par l'imposition de la main des temps. Et dans ce monde, l'Église avait sombré. Et que Dieu nous a dit de commencer une Église ayant comme mission de ranimer partout où on va implanter, qu'on parle des acquis de la Pentecôte. Parce que des fois, nous oublions d'où nous venons et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi notre Église est une Église qui croit à la parole de Dieu dans toute sa totalité, au Saint-Esprit, à ses dons, à ses manifestations, à sa puissance. Nous croyons à ça et nous vulgarisons cela, ou nous manifestons cela dans nos cultes. Ce sont des cultes de l'esprit où les dons se manifestent, où Dieu parle. Nous croyons à la totalité de la parole de Dieu. Là, j'en arriverai à en parler à un moment. Alors je disais que la vision de notre communauté, c'est de ranimer les acquis de la Pentecôte. Quand on parle d'acquis de la Pentecôte, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Peut-être qu'on va essayer d'en énumérer quelques-unes sans être beaucoup plus exhaustif. Le jour de la Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit, les apôtres. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute où ils étaient. Les gens les ont entendus parler en langue. Le parler en langue, c'est un acquis de la Pentecôte. Parce que c'est manifesté au jour de la Pentecôte. Où les gens ont entendu pour la première fois d'autres personnes parler en d'autres langues selon que l'Esprit. Et d'ailleurs, les gens étaient étonnés de voir que les gens qui n'avaient pas appris certaines langues, mais qu'il ait parlé couramment et que toutes les nations qui étaient réunies à Jérusalem pouvaient les entendre parler chacun dans sa langue maternelle. C'était étonnant. C'était un grand acquis de la Pentecôte. Le parler en langue, c'était un acquis de la Pentecôte. Et les dons spirituels d'une façon générale. Quand le Saint-Esprit était venu, il était venu avec un panoplie de dons spirituels. La prophétie, par exemple, les visions et les songes, ce sont des acquis de la Pentecôte. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire la prophétie qui était l'apanage de certains privilégiés dans l'Ancien Testament est devenue vulgaire, pas dans le sens péjoratif, c'était devenu pour tous ceux-là qui croient au Seigneur, ils pouvaient recevoir aussi le don de prophétie. De prophétie en tant que don. Donc vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de visions et des songes et vos jeunes gens auront de visions. Ce sont des acquis de la Pentecôte. Nous sommes à un temps où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole de Dieu qui avait été prêchée le jour de la Pentecôte, c'était une parole capable de faire convertir plus de 3000 âmes. Vous comprenez? Donc la prédication inspirée de la parole de Dieu, c'est un acquis de la Pentecôte. Donc quand on prêche comme un théologien, parce qu'on connaît, et quand on prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est deux paroles différentes et distinctes. Alors quand on ranime les acquis de la Pentecôte, c'est comme si nous exhortons aux gens à prêcher sous l'inspiration du Saint-Esprit. Une parole capable de toucher le cœur. Parce que la Bible dit, ceux qui ont entendu Pierre prêcher le jour de la Pentecôte, ils avaient le cœur vivement touché.
Alors, cette parole capable de toucher le cœur, de pousser à la repentance, c'est un acquis de la Pentecôte. On doit ranimer cela. Nous devons revenir à ces formes de prédication. Pas, comme on dit en Lingala, pas parler seulement de la prospérité, mais on doit parler de manière à toucher le cœur. Selon qu'il est écrit, de prêcher l'évangile comme annonçant les oracles de Dieu. C'est l'acquis de la Pentecôte. Cette forme de prédication, c'est un acquis de la Pentecôte. Voilà, le jour de la Pentecôte, le feu était descendu. Ce jour-là, c'était visible. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alors, le feu du Saint-Esprit, c'est aussi un acquis de la Pentecôte. Quand on parle du feu, c'est un acquis de la Pentecôte. Nous devons avoir des séances où, même si les gens ne voient pas un feu physique, mais au moins spirituellement, qu'on sente qu'il y a un feu de Dieu qui est descendu et que les œuvres du diable sont détruites par le feu de Dieu. C'est aussi l'acquis de la Pentecôte. Voilà un peu, d'une façon brève, ce que nous entendons par acquis de la Pentecôte. Donc nous sommes une église charismatique, pentecôtiste, ranimant les acquis de la Pentecôte. Si nous prêchons quelque part, ces genres de manifestations doivent être là. Et on doit laisser cette impression du feu dans les cœurs et dans la vie des gens qui nous écoutent. Santé de notre communauté, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas une communauté des gens qui ont des grands moyens. Nous avons commencé dans une petite ville de la RDC appelée Likasi. C'est dans la province du Haut-Katanga. Et avec l'aide et la grâce de Dieu, nous nous éparpillons un peu ça et là. Pas sans difficulté, bien sûr. Pas sans difficulté. Donc, jusque-là, nous évoluons beaucoup plus en Afrique. Nous ne sommes pas encore implantés en dehors de l'Afrique. Et en Afrique, nous sommes au Congo, en RDC, nous sommes dans quelques provinces jusque-là. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Nous sommes dans la province du Lualaba. Nous sommes à Kinshasa. En dehors du Congo, nous sommes en Afrique du Sud et nous sommes en Zambie aussi, à Tshilabombwe. Nous sommes en Zambie à Kitwe avec une province. Et l'église mère se trouve à Likasi, où nous avons replié pour essayer de relancer encore les travaux de réaménagement. Nous sommes en pleine construction et Dieu nous fait grâce. Malgré les difficultés économiques, et pas à pas nous évoluons avec l'aide et la grâce de Dieu. Et en dehors du pays, c'est récemment seulement qu'un de nos pasteurs missionnaires est allé implanter au Canada. Nous avons commencé au Canada, à Gatineau. C'est la première paroisse en dehors de l'Afrique que nous avons. Je ne peux pas compter le nombre de paroisses que nous avons. Si Dieu dit que nous sommes au Katanga, c'est avec autant de paroisses. C'est-à-dire à Lubumbashi, nous avons à peu près 3 paroisses. À Likasi même, nous avons à peu près 9 à 10 paroisses. À Kolwezi, dans la province du Haut-Lualaba, il y en a à peu près 4 paroisses. À Kinshasa, une paroisse. À Kasumbalesa, nous en avons 5 à peu près.
En Zambie, nous en avons deux. Voilà, un peu disséminé ça et là. Et nous sommes en pleine expansion. Nous sommes en train de nous battre pour essayer de pousser au loin cette œuvre qui a comme vision de ranimer les acquis de la Pentecôte. Et Dieu est en train de nous aider. Notre doctrine, parce que c'est important, nous vivons un temps où les gens font du n'importe quoi et pratiquent toutes sortes de doctrines. Mais notre confession de foi, notre doctrine, c'est que nous croyons dans la totalité de l'évangile de la parole de Dieu. La Bible, c'est l'autorité de la foi. Notre foi est basée sur la parole de Dieu et cette parole qui est la Bible. C'est la fonde de notre foi. Nous croyons à la Bible comme parole de Dieu. Nous croyons en Jésus comme seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, parce qu'il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui, celui-là qui est né de la Vierge Marie, Jésus-Christ est mort et ressuscité après 3 jours. Jésus-Christ qui est monté au ciel à la droite de Dieu le Père. Nous croyons en lui. Nous croyons au baptême par immersion d'eau que nous appliquons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un peu d'une façon distincte. Résumer notre doctrine, la confession de la foi. Nous croyons en cela. Et nous pratiquons beaucoup de missions. Notre communauté, c'est la communauté pentecôtiste missionnaire. Nous mettons l'accent sur des missions d'évangélisation, d'implantation, d'édification. Nous pratiquons beaucoup de missions et nous formons beaucoup de missionnaires. Nous avons connu beaucoup de difficultés et sur le plan ministériel et sur le plan personnel et sur le plan spirituel par rapport à notre appel de Dieu. Vous savez, si vous trouvez un serviteur de Dieu qui vous dit que tout marche comme sur des roulettes, il y a de quoi se poser la question si c'est un serviteur de Dieu. Et nous avons connu beaucoup de difficultés. Sur le plan personnel, par exemple, vous savez, né d'une famille, d'un papa qui a 10 enfants, simple travailleur à la Jocamine, dépassé par les événements, ce n'était pas facile de combiner les études et l'œuvre de Dieu. Étant trop jeune, ce n'était pas facile de combiner. Ce n'était pas facile d'arrêter les études. Je suis gradué en sociologie et anthropologie. Je n'ai pas voulu faire la licence parce que tellement que l'appel était fort que j'ai abandonné après avoir obtenu mon diplôme de graduat. Et je me suis consacré à l'œuvre de Dieu jusque maintenant. Je n'ai jamais travaillé dans une société pour m'en vivre avec une femme, avec des enfants. Mais Dieu nous a aidés jusqu'à aujourd'hui, nous t'aimons. Après beaucoup de difficultés, Dieu nous aide toujours jusqu'à présent. Je n'ai pas fait la théologie. Ou des grandes écoles théologiques. Je me suis converti à la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai été mis en contact directement avec la parole de Dieu. Et Dieu nous a aidés. La théologie que nous avons, c'est plus la théologie divine. C'est-à-dire Dieu nous-mêmes nous a enseigné sa parole. Je suis un grand lecteur de la
parole de Dieu, la Bible, et un grand lecteur aussi des livres. Je lis beaucoup d'autres auteurs, et je publie aussi. Bien que j'en ai publié un, il y a un deuxième livre qui est en cours, qui a traîné bien sûr faute des moyens, mais nous croyons que Dieu va nous aider à le publier et que nous allons publier cela. On a souffert d'incompréhension, on a souffert de la jalousie, on a souffert de maladies même, physiques, corporelles. J'étais très souvent malade, près de la mort, mais Dieu nous a aidés. Nous avons toujours été incompris, soupçonnés de ceci et cela, mais Dieu nous a soutenus toujours. Je ne peux pas vraiment beaucoup m'étaler sur les difficultés parce que c'est impératif. On doit passer que par le Seigneur Jésus lui-même est passé par beaucoup de difficultés. Et moi j'appelle les difficultés les vitamines de la foi et de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait grandir l'œuvre de Dieu et l'homme de Dieu. Il s'identifie aussi par rapport aux souffrances par moment. C'est un chemin obligé. Nous passons par la souffrance. Nous remercions Dieu qui nous a aidés à tenir ferme jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans la foi depuis 1981 jusqu'aujourd'hui en 2020. Nous tenons ferme par sa grâce, pas par nos propres efforts, mais c'est par sa grâce. Dans notre marche chrétienne, nous avons eu des modèles, des gens qui nous ont inspirés par leur façon d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, de le prêcher, de le craindre. Ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Je citerai à titre d'exemple, il y a le feu pasteur Lukusa Lufungu. Il a été un grand modèle pour nous à ce temps-là. Il y a le pasteur Kilubawa Kilubawa, avec qui on a eu beaucoup de contacts dans les cadres de la Ligue, parce que les deux là, c'était des ligueurs aussi, qui nous ont inspirés, mais beaucoup plus aussi nos pères qui nous ont aidés et encadrés dans le service de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Je citerai le feu pasteur Mwamba Samuel, que le Seigneur a repris. Ça a été un grand modèle pour nous. Le pasteur Jonas Magila, qui est là, ça a été un grand modèle. Vous voyez que les noms que je cite là, c'était des grands noms au niveau de notre milieu, le Katanga. En général, c'était des grands noms. Et puis, j'aimais aussi beaucoup suivre Jimmy Swaggart. Je suivais ses films. C'était un grand, grand modèle aussi pour nous. Sa façon de servir, de prêcher, tout ça, ça nous touchait beaucoup et ça nous édifiait. Ça nous a aidés à s'accrocher au Seigneur et à il y en a plusieurs, même à la Babaka lui-même dont j'ai cité. La simplicité était son mode de vie, c'était un homme très simple, mais un grand intellectuel, un homme très effacé, mais faisant l'œuvre de Dieu. Alors cette façon de servir nous avait aussi beaucoup inspiré. Alors, voilà, il y en a beaucoup qui nous ont inspiré dans la foi et nous sommes très reconnaissants avec tous ces éminents hommes de Dieu qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Alors, jusque-là, notre œuvre, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, se focalise en Afrique. Nous croyons qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, il nous amènera aussi en dehors de l'Afrique pour faire l'œuvre de Dieu. Nous comptons nous étendre jusque-là, mais nous attendons le temps de Dieu et avec les moyens de Dieu lui-même. Nous ne voulons pas forcer les choses pour aller gâcher encore tout. Ça, ce n'est pas notre démarche. Nous attendons le temps de Dieu et nous le ferons avec les moyens de Dieu. Mais nous comptons nous étendre jusque partout au monde. Parce que notre vision est mondiale. Ce n'est pas une mission ou une vision africaine de l'œuvre de Dieu, mais c'est une vision mondiale. C'est dans ce cadre même que j'ai parlé de Jet. Jésus-Christ est jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une branche chargée de
l'évangélisation des croisades et de la délivrance des territoires de l'île. J'en parlerai prochainement sur le chat. Voilà un peu résumer tout ce que j'avais à vous dire. Comme un mot de la fin, je voudrais exhorter l'Église, le monde entier, que nous allons vers la fin du monde et que Jésus-Christ revient bientôt. Que nous devons faire très très attention dans les milieux chrétiens avec tout ce qui se passe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu, par le moment, il travaille dans le calme et la tranquillité. Pas dans les bruits, pas dans des tapages. Que les gens s'accrochent à une personne. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas quiconque. Mais cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme, c'est une personne. Ce n'est pas une doctrine. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le christianisme même. Que les gens s'accrochent à cette personne de Jésus, c'est lui qui va les amener à l'endroit qu'il est en train de préparer jusque maintenant. Et bientôt, il revient. J'exhorte aux gens à abandonner le péché. C'est donc qu'il est écrit, quiconque citera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous devons nous éloigner de l'iniquité. Nous devons nous sanctifier, selon qu'il est aussi écrit dans l'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Nous sommes en train de traverser un temps de la radicalisation. Ceux qui sont mauvais deviendront beaucoup plus mauvais. Et ceux qui sont saints doivent aussi l'être plus saints. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes un temps décisif où, soit à droite, soit à gauche, il n'y aura pas de milieu. Alors que chacun se prépare et que chacun puisse prendre sa décision et évoluer avec le Seigneur. Je vous aime bien. Jésus vous aime aussi. Soyez bénis. Ciao.